Le visage du Lot est marqué par la pierre. Des pierres porteuses de l'identité d'un territoire riche de près de 450 édifices, châteaux, églises, maisons, classés monuments historiques. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au château de Lantis, un bâtiment qui a une histoire très singulière. L'histoire de ce château a effectivement de quoi étonner. Le bâtiment était abandonné depuis plus de 200 ans. Allez, je vous invite à rentrer et à découvrir le château. Et c'est Françoise et son mari qui vont le restaurer. Alors, nous entrons maintenant dans la chambre seigneuriale. Entrez, je vous prie. En 1993, alors qu'ils débroussaillent le terrain qu'ils viennent d'acheter pour passer leurs vacances, ils tombent sur des ruines. C'est le château de Lantis. La famille se lance alors dans un immense travail de restauration. C'était un challenge dans la vie, une aventure, et nous décidons de restaurer ce château, de le faire sortir complètement de l'oubli, de retrouver son histoire et de le faire vivre. Et donc cela fait 15 ans maintenant que nous œuvrons à la restauration de ce château qui était quand même disparu depuis 200 ans. L'édifice est littéralement sorti de terre, pierre après pierre. Et aujourd'hui encore, ça continue. Avec son mari, la châtelaine n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Alors, si vous voyez des pierres qui ont une petite architecture, qui sont un petit peu sculptées, on les met de côté, évidemment. Françoise est dans son élément. Pour pouvoir restaurer au mieux son édifice, cette ancienne kiné a fait une formation de maçon et de tailleur de pierre. On s'est passionnés, nos enfants, nous-mêmes et beaucoup d'amis par ce chantier et par les monuments historiques en général, alors qu'avant on passait à côté sans les voir. Et maintenant, fou de patrimoine peut-être pas, mais passionnés de patrimoine certainement.